जानू, तुमसे खुद को मैं पहचानू, तुमको बस मैं अपना मानू। माहिया वास्ते जा भी दो मैं गवा, तुमसे ज्यादा मैं न जानू, तुमसे खुद को मैं पहचानू, तुमको बस मैं अपना मानू। माहिया वास्ते जा भी दो मैं गवा, तुमसे ज्यादा मैं न जानू, तुमसे खुद को मैं पहचानू, तुमको बस मैं अपना मानू। माहिया वास्ते जा भी दो मैं गवा। Bonjour à tous, c'est Mélanie Casa de Persuade et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on est dimanche et c'est trop génial. Hier et avant-hier, j'ai fait le spectacle du théâtre, Le Malade Imaginaire. Donc le vendredi 31 mai 2019 à la salle du Galet CDC et aussi le samedi 1er juin 2019 à la salle du Galet, le spectacle. Donc je mettrai... Bon, en fait j'avais cette tenue là, absolument la même. Comme ça, pour le samedi, vendredi, j'avais une autre tenue, donc c'était chouette parce que de changer un petit peu. Par contre, j'avais pas du tout cette coiffure-là, mais j'avais ces serre-têtes par contre, et cette petite barrette pour hier, c'est tout. Donc je vous mettrai juste avant un TikTok, plusieurs TikTok, avant le ting 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 ting. Je vous mettrai plusieurs TikTok juste avant. De mon premier spectacle, enfin les tenues et tout ça, la coiffure que j'avais et tout ça. Mais aujourd'hui dans cette vidéo qui est trop géniale parce que hier en allant à Bricomarché, on a trouvé ceci. Et comme pour ceux qui le savent, qui le savaient et ceux qui le savent pas, mon premier dessin animé préféré c'est La Fée Clochette. Mon deuxième dessin animé préféré c'est My Little Pony, que du coup, bon là c'est Marsupilami que j'ai. Mais pour le premier spectacle, j'avais un t-shirt de My Little Pony. Celui que je mets souvent avec cette robe de petit chat là. Il est tombé. Et mon troisième dessin animé préféré, c'est les Zouzoupettes. Donc Franky et les Zouzoupettes. Donc ça, c'est un vieux dessin. Enfin, vieux. C'est les Zouzoupettes, donc c'est pareil. Sauf que moi, celui que je préfère comme dessin animé des Zouzoupettes, c'est celui qui passe sur la 14. Donc c'est tous les matins normalement, vers très tôt du matin. 5h du matin la plupart. Juste une heure avant que je me lève pour partir aux écoles. Alors, celle-là c'est moi qui l'ai acheté sur Amazon. Il fallait vraiment que je fasse une vidéo. Mais de toute façon, si j'allais l'ouvrir... Que ça tout seul dans la vidéo, il fallait que je prenne vraiment beaucoup de temps parce que je l'ai coûté quand même un petit peu cher, hein. C'est quand même abusé, hein, pour le prix. Qu'il y en avait plusieurs qui avaient, en fait, que c'était le gros pack et que du coup il y avait plusieurs sachets avec. En fait non, il y en avait qu'un. Un petit peu abusé, hein. Donc, du coup en fait ça c'était plus cher que ça. Donc à Bricomarché, ça c'est ma maman qui me l'a acheté, en fait c'est en promotion. Alors, plus de 56 stickers, 16 pages, je sais pas quoi. Moi, ma mamie, avant, ça fait longtemps, elle m'en avait acheté plein de petits boosters comme ça qui étaient à Intermarché, avant où j'habitais. Mais ça coûtait pas cher, ça coûtait 3 euros en fait le prix de ça. Et en fait, c'est chaque petite surprise différente, donc j'en ai quelques-unes. Par contre, j'en ai aucune idée où ils sont. Mais j'espère en tout cas que j'aurai pas les mêmes quand même. J'ai commencé peut-être par l'ouvrir. Je peux en ouvrant comme ça, où il me faut un ciseau. Il y a la petite carte avec. Oh,
Je vais regarder. Non, sans me spoiler, je vais pas regarder la carte. Je vais essayer de toucher le personnage pour savoir qui c'est. En tout cas, il me semble qu'il est debout. Il a pas de ballon, donc c'est pas Pisquick, ou à moins si peut-être c'est elle, mais sans le ballon du coup. C'est le petit Shang de l'autre côté. Ah, il est trop mignon. Non, ah, il est trop mignon. C'est Nom Noms. Ouh, je l'avais pas, Nom Noms. Trop mignonne, la petite Nom Noms, regardez, elle est trop mignonne. Ah, j'avais ce maquillage aussi, donc du coup, je l'ai refait un petit peu pour vous faire montrer. Un petit peu de rose ici, et ensuite, là, c'est du... Ah, c'est de la palette de chocolat. Tablette de chocolat de palette. Que Rory, merci à Rory et Pao. La petite Nom Noms, c'est trop mignonne. Il y en a plein. Donc moi, je vous dis laquelle j'ai en vrai. J'ai toujours voulu avoir elle. Nugé. Comme ça, cette tenue comme ça. Mais du coup, je l'ai même pas eu. J'avais eu elle, Pisquick avec son ballon là. Winky. Donc c'est pour ça que mon cochon d'Inde d'avant, je l'avais fait Winky. Gilly, j'avais eu aussi. En fait, il ressemble à Winky, mon cochon d'Inde. J'avais eu Shank. Et voilà. Pisquick, comme ça, je l'ai dit. En fait, j'avais dit à mon cochon d'Inde quand il sortait de la cabane, ça fait longtemps. Bon, maintenant, il est plus là, mais... Quand il sortait de la cabane, et bien c'était son prénom. Donc j'avais dit Yo-Yo, celui-là, parce qu'il ressemble aussi un petit peu. Winky et tout ça. Bon, en fait, il ressemble plus à Winky que Yo-Yo, donc c'est bien. Par contre, le nouveau qu'on a, bon, ça fait un petit moment, il ressemble à Nugé. En fait, Nugé, ça veut dire pépite en français. Donc il s'appelle Pépite. Pépite, Nugé, c'est pareil. Ou Nugget, ça se dit, mais je pense que Nugé, ça se dit. Nugé. Et c'était ma préférée. En fait, je pensais que Nugé, à chaque fois, c'était Madame Speaker. Mais en fait, c'est pas l'héroïne. L'héroïne, c'est Madame Pisqueuse. C'est pas la petite. C'est pas Madame. Enfin, c'est Madame Pisqueuse. L'héroïne, mais c'est pas Nugé. Voilà. Oh, trop mignonne. Regardez comment elle est trop mignonne. T'es mignonne, mignonne ici. Donc là, c'est moi que j'ai acheté ça. Non, ça c'est mon papa qui m'a acheté, ou ma maman. Un des deux, je sais pas. Ton super cadeau, c'est vraiment trop génial. Donc il y a une sorte de petite ardoise ici. J'en ai ça. Elle est magnifique. En fait, c'est ma préférée ardoise, je pense. Le tableau comme ça, de... en forme de tête de hamster. Oui, mon nouveau hamster, il ressemble beaucoup à Nugé. Donc il y a des petites cartes. On va peut-être pas commencer par les cartes, je pense pas. Alors du coup, il y a trois tacalogues, c'est vraiment trop génial. Fabrique ta figurine zouzoupette. Oh, c'est le petit chien. Oh, là aussi. Regardez, donc, le premier avec la figurine dedans. Le deuxième avec... Oh, c'est Pisquick. Regardez comment il est trop bête, Pisquick. Par contre, là, il s'est ouvert. Je vais l'ouvrir dans l'ordre. Et le petit Shunk. En fait, il n'y a même pas écrit leur prénom. Il faut savoir leur prénom sinon. Ah si, il découpe la figurine de Shunk en suivant les pointillés. Alors, le super cadeau, c'est ta figurine plus ta carte Zoupette qui est bien sûr dedans à chaque fois. Alors, on va ouvrir la petite figurine qui a l'air trop trop géniale. Par contre, c'est pas tout à fait la même couleur. Ah, mais c'est même pas le même logo ici. Vous voyez ? Dans le tacalog, il y avait le tacalog, donc c'est comme ça. Ensuite, bah, de l'autre côté, c'est une petite fille. Et là, ça fait un petit peu jaune. Et là, ça fait un petit peu plus vert. Je sais pas si vous voyez. Bon, il y a pas, il y a un petit peu de différence. S'il vous plaît, que j'ai même Nugé. Nugé, 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 Nugé. Nugé, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, non, j'ai pas de Nom Noms. Oh non. Non. J'ai pas de chance. Je vois ça d'abord.
Et donc du coup, ah, par contre c'est nouveau les pages d'ici. Nom nom, c'est même pas écrit en français, c'est pas grave, regardez, chaque petite page, une sorte de petite, une petite histoire, c'est mignonne. Ah, une petite, ça c'est un hamster. Oh, elle est tout mignonne. Bon, c'est quand même les mêmes à collectionner, hein. C'est nul, j'ai pas de chance. Oh, c'est nul. Pourquoi j'ai la deux la même? J'espère alors qu'elles se ressemblent pas. En tout cas, la carte. Ah, bah c'est pas la même carte par contre. Alors, deux mois j'ai acheté et tout à catalogue. Donc en fait, il y a un truc écrit en dessous par un truc écrit qui est pas écrit en français, bien sûr. Bon, en fait, elle est absolument pareille sauf qu'elle est dans un sachet. Elle a un petit peu abîmé sur sa petite moustache-ci. Mais en tout cas, c'est absolument la même. Elle fait un clin d'œil. Elle a un petit peu abîmé. C'est la même. Du coup, là, c'est la petite fille qui est derrière. Enfin, celui qui est dans le magazine. Et ben, du coup, c'est le petit fantôme. Ça change un petit peu le logo et tout ça. Je vais vous montrer un pour tous et tous pour un. Bonnes vacances. C'est pas encore les vacances, c'est moi je fais de la France, donc le magazine officiel. Hop, enfin, ça va être un peu long pour la vidéo. Février-mars 2013, très long. page 4, découvre le box nom. Page 6 et 8, c'est Touzou, le shopping des Zouzou. Donc page 9, recette des cannelle et bordelais. Page 10, animaux comme cas comme koala, kiwi et kangourou. Page 11, actualité, les films à ne pas rater. Page 12, flower power, la lavande. Page 14, 15, la grande aventure visite l'Afrique du Sud. Page 16, courrier et blagues. Page 18, solution des jeux. Ouais, c'est génial s'il y avait plus. Donc voilà comment ça se présente. Ah, c'est, je l'ai vu sur Amazon. Ça coûte un petit peu cher cette peluche. Hein. C'est la peluche interactive. Ouais, elle coûte un peu plus cher que 30 euros, je pense. Ah ben je l'ai ce jeu là. Zouzou Pupi, il est même derrière moi. Oh non, vous voyez pas parce qu'il y a le sac derrière là. Mais je vous fais montrer ce jeu là, je l'ai avec la petite figurine. Je l'ai acheté, ça fait pas très si longtemps que ça. Ah ben moi du coup, moi j'ai des zouzoupettes, j'ai des vieux et des anciens aussi. Je vais faire montrer les nouveaux parce que les vieux, je sais pas vraiment où, ils sont. Regardez le jeu avec la petite figurine qui est à l'intérieur. Bon, dedans, j'ai mis quelques autres petits jeux de moi, donc Braz Pony, Cookie Mama. Donc voici la figurine à quoi elle ressemble. C'est une petite boule ici. C'est un tout petit chien, tout mignon, petit bébé chien, tout mignon. Le petit jeu qui est, bah, c'est Zouzou Pupi, donc en fait, c'est les chiens. C'est tout mignon. Zouzou Pupi. Mes deux nouveaux zizoupettes que je vous avais fait montrer dans une vidéo qui est sur en ligne sur YouTube, qui est en mode public, oui, c'est sûr. Donc, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Mais voilà, Madame Speakers. Mais elle est aussi très belle avec sa petite décoration comme ça. La petite recette de Shunk, parce que Shunk, c'est un vraiment très gourmand. Ceci. Les koalas qui est mon premier animal préféré, pour ceux qui ne le savent pas. J'adore les koalas, c'est tout mignon. En fait, c'est la couleur de Shunk, donc ça va bien avec. Alors ça, c'est 16 pages de fun. Des petits jeux... En fait, elle est trop belle comme ça, avec ces photos-là. Ah, des petits coloriages trop génial à colorier. Des petits jeux.
des autres coloriages de petits chiens. De trouver la bonne ombre. Plus ou moins. Des coloriages de Monsieur Spinkle. Un sorte de puzzle. Des petits jeux, des joues là. La nature. Toute mignonne. Ceci. Différents États-Unis. Voilà, c'est tous les fans qui ont vu dessiner des dessins. J'avais jamais été dessus, moi. Avril 2013, sinon. Et les solutions des jeux, bien sûr. Et la petite carte à découper, mais je pense pas du tout que je vais la découper parce que sinon ça détruit mon truc. Donc je vais faire une photocopie. Et ensuite, bah, je vais mettre du carton comme ça après dessus. Donc ça, du coup, ça l'abîme pas. Donc je vais montrer les petites cartes maintenant. Toutes petites cartes. C'est le jeu Mémo. Donc en fait, il y a deux cartes de la même qu'en fait qu'on mélange par terre sur la table et tout ça. Et en fait, on doit en piocher une, tac, et une autre. Et si on a la même, on peut rejouer encore jusqu'à celui qui a plus de paires. Madame Gilly, c'est Gilly, pas Gilly. Ah, elle est trop belle. Stick Quick. Ah, bah la petite famille ici. Ah, Shank et Monsieur Spingle. Bah, les trois filles, Nam Nam, Gilly et Speak Quick. Et l'autre petite famille. Le premier livre que je vous ai fait montrer, c'est avec la figurine dedans, en cadeau. Ensuite, pour ce magazine, bah, du coup, c'est les petites cartes qui étaient ici. Les petites cartes Je Mémo. Donc, je vous ai montré Vive les vacances. Mais bien sûr, c'est pas les vacances. Hello Kitty, j'adore, donc j'ai même quelques plus de Hello Kitty. C'est toujours Chunk avec des pâtisseries et tout ça, comme c'est le grand gourmand. Bah, des petits trucs à acheter, tout ça. Moins intéressant. Oh, les toutes petites peluches Zouzou. Oh, ça, j'aimerais beaucoup en avoir un, des porte-clés comme ça, j'avais vu sur Amazon. Ça, mais ça coûte hyper cher quand même. Ça, j'avais pas vu, mais c'est chouette. Mais ça j'aimerais beaucoup. C'est mignon ça. Hop, bah du coup des jeux, un cahier de jeux. Ici c'est un petit cahier de jeux. On peut jouer à des petits jeux, des petits coloriages, des petits jeux. Voilà les stickers. Regardez comment ils sont mignons. Chacun petit cœur, chacun petit zouzou. Ils sont tous adorables. Ils sont tous mignons. Des petits coloriages, des petits jeux encore. Des affaires à se mettre nous. Des petits styles, tout ça. Ceci, un petit peu moins intéressant, donc découvre le Mexique avec Monsieur Spingle. Ça a l'air beau le Mexique quand même. Et toute ville et tous les pays sont vraiment jolis. Les solutions des jeux et la petite figurine à découper. Et c'est pas la même qui était avant, donc ça c'est plutôt chouette. Dernier petit magazine et j'espère que j'aurai le temps de vous faire montrer parce que je ne peux pas trop filmer si longtemps maintenant. Le cadeau en tout cas, c'est une très belle ardoise avec un petit feutre Velida, tout ça. Où il y a la Madame Pinkwick, Monsieur Spingle, Shunk, Num Nums et Gilly dessus. Regardez les quatre personnages. Cinq personnages plutôt, 1, 2, 3, 4, 5. Et la tête de... Elle, Bisquick, trop mignonne, tout mignon tout ça. Je peux même l'accrocher quelque part, donc faut juste mettre un clou, mais par contre dans ma jambe, je peux pas. Le nez s'est défait au bout, de l'autre côté. Là, il y avait un petit nœud de l'autre côté.
C'est pas très grave. Une rentrée ensoleillée. On en était là. Donc, ceci. Chung, vive le surf. Des tout petits jeux, des jolies boucles d'oreilles hippocampes. Des petits zouzous. Des petites recettes avec un petit Chung. Alors, ton tableau, ton cahier de jeu. Que je vous fais montrer tout de suite. Hop, des petits coloriages. C'est l'intrus. Et des petits stickers que j'espère que par contre ce n'est pas les mêmes. Youpi, c'est pas les mêmes. Le puzzle. Le coloriage. Le labyrinthe. Tout mignon. Les derniers mots. Des chaussures du style un petit peu. La nature, je passionne de coquelicot et de Delia. D'accord, c'est joli les coquelicots en tout cas. Découvre Tahiti. Oh, Tahiti. Et les fans qui dessinent de jolis dessins en tout cas. Et les petites solutions et des jolies photos à la fin comme ça, très belles. Plus de zouzou, c'est en octobre. Fabrique ta figurine zouzoupette comme ça. Trop mignon. Dites-moi lequel vous préférez de magazine en tout, vous. Alors moi, je dirais le premier magazine. Parce qu'il y a même derrière et tout ça. Donc, le premier magazine, il y avait la figurine en cadeau dedans. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de mettre des gros pouces bleus et de vous abonner en activant la cloche parce que sinon vous ne recevez pas mes vidéos. Et de me rejoindre sur mon Instagram qui est Miss avec le cloche créative, sur ma page Facebook Miss avec le cloche créative, sur mon TikTok Miss avec le cloche. Donc bonne journée ou bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez ma vidéo. En tout cas, moi, c'est la journée encore. Il est 17h29 et du coup, on est dimanche 2 juin. Hier, je suis rentrée très tard du théâtre, du spectacle, tout ça. On est rentré vers 2h et quelques du matin. Parce qu'après, on a mangé là-bas, on a fait un petit goûter. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Bonne journée, bonne soirée, des gros bisous. Au revoir. Merci énormément pour tout votre soutien et à tous ceux qui étaient là pour mon spectacle. Gros bisous. Love for you. Hey, j'aimerais parler de mes amis, mes meilleurs amis, les zouzous, ils veulent parler, penser, chanter, ils ne pensent qu'à s'amuser, la menace pense d'avant d'agir, le beau chien se fera rire, et moi j'ai tranquille. Frankie et les zouzous, Frankie et les zouzous pètent.